Hello la team! Donc, on va pas s'arrêter sur le fait que ça fasse 9 mois que je n'ai pas publié de vidéo. On ne s'arrêtera pas sur le fait que ce soit une vidéo pour les 2 ans de mes locks alors que j'avais déjà semé 3 ans. On ne va pas s'arrêter non plus sur le fait qu'à chaque fois je dise que je vais faire des vidéos plus fréquemment, mais vraiment, je vous assure que j'aimerais, mais je n'y arrive pas. Donc voilà, donc là c'est la vidéo. Franchement, c'est à peu près la même chose. Si j'ai des choses à ajouter, je vous ajouterai. C'est juste les photos. Mais finalement, ce serait une évolution. Là, je suis à 2 ans et demi. Et donc voilà, les réflexions sont à peu près les mêmes. Ce que j'ai à dire, c'est la même chose. Donc, restez avec moi. Et en tout cas, merci de revenir toujours sur ma chaîne. Donc, 2 ans. On va commencer par les points positifs. Alors, premièrement, c'est qu'enfin, on reconnaît que j'ai des vanilles pendant très très longtemps. Oula, ben vous voyez, lapsus révélateur. On voit enfin que ce sont des locks. Pendant très longtemps, on m'a dit, ah, vous avez de jolies vanilles, ça vous a pris combien de temps pour les faire, ça vous prendra combien de temps pour les défaire. Mais voilà, maintenant, on reconnaît, les gens me disent, ah, vous avez des locks. D'ailleurs, ils me disent tout le temps Sister Locks. Mais comme je vous ai déjà expliqué, Sister Locks, c'est une marque déposée. Donc, n'ayant pas été bonne consultante Sister Locks, moi, j'ai des micro-locks. Voilà, ça a sensiblement la même chose, mais il faut faire attention un peu. Donc, quand les gens me disent, ah, vous avez des sister locks, je leur explique, non, j'ai des micro-locks parce que, voilà, on a fait nous-mêmes, donc ce sont des micro-locks. Donc, on identifie ce que j'ai dans la tête et ça, c'est plutôt cool. C'est vous, sur les réseaux, qui m'avez fait remarquer que mes cheveux ont poussé. Alors, si vous me connaissez, vous savez, j'ai toujours été dans le monde des locks, donc j'ai toujours su que ça prenait 2 ans. Parce qu'en fait, pendant 2 ans, votre lock se forme, elle se remplit, elle devient plus épaisse. Et c'est une fois que la lock s'est vraiment formée, elle a vraiment mûri, qu'après ça pousse. Mais moi-même, prise dans la vie, je ne m'en étais pas rendu compte. Et en fait, c'est vous qui m'avez fait me rendre compte, hey, mais les locks, tes locks, elles ont poussé. Et c'est vrai, et là où j'ai compris que mes locks ont poussé, c'est qu'en fait, même si quand j'ai fait mes locks, c'était cette longueur-là, ça a très vite rétréci. Et en fait, si tu vois les photos que je vais mettre sur la vidéo, ça ne touchait pas vraiment mes épaules. En tout cas, si je faisais ça, tous mes cheveux bougeaient en même temps. Et maintenant, par exemple, si j'ai ça, ben, ça reste, vous voyez. Donc, le fait de pouvoir mettre des cheveux par-dessus mon épaule m'ont fait me rendre compte que mes cheveux avaient poussé. Ou de pouvoir... bon, ça ne tient pas encore vraiment bien, bien, bien. Mais ça, ce sont quand même des indicateurs qui m'ont dit, ok, mes cheveux m'ont poussé. Ça peut rester comme ça. Chose qui n'aurait jamais été possible avant. Donc, c'est là... Voilà, ça me fait voir que finalement mes cheveux vont pousser. Et je suis sûre que si tu vas voir une autre de mes vidéos, ben, tu le verras toi-même. Les points positifs, bon ben, tous les locks, vous le diront, en fait, on est déjà coiffé. Le matin, j'enlève juste mon bob. Le matin, j'enlève juste mon bonnet en satin. J'ai envie de vous dire que je spray de l'eau et tout, mais c'est faux, je fais que l'enlever et c'est tout. Je vais à la douche, je laisse les gouttelettes et la buée faire son taf, mais franchement, je ne fais rien d'autre. D'ailleurs, je vais vous en parler dans un dépôt négatif, mais voilà, il n'y a rien à faire. On est déjà coiffé. C'est génial. Bon, autre point positif, je ne sais pas vraiment, mais je vais plutôt le mettre dans les négatifs. Donc, passons au négatif. Le négatif, c'est qu'on fait tellement rien. En fait, on a tellement rien à faire que peut-être que je commence à les négliger. J'oublie un peu de les hydrater, de les nourrir. Parce que comme ce sont des micro-locks, si on en fait trop, tout de suite on peut avoir des résidus, on peut avoir de la poussière qui se mêle. Donc à force de ne rien faire, je suis tombée dans un grenage, je ne fais peut-être pas assez, donc il faut que je me ressaisisse sur ça. Et justement, déjà j'étais une lazy naturelle, j'aimais pas beaucoup, c'est pas que j'aimais pas me coiffer, mais je n'aimais pas manipuler mes cheveux. Je sentais que je les cassais dès que je les manipulais, donc j'essayais de pas trop les manipuler. Et maintenant que j'ai des locks, vu que, voilà, je suis coiffée, je fais juste ma raie, des fois je moue et je fais rien d'autre. Donc c'est vrai que ça m'a encore menée dans un engrenage de ne pas faire grand chose. Donc il faut que je vais pas dire me ressaisisse, mais que je prenne le temps de faire des coiffures et de proposer de nouvelles choses. D'autant plus que je coiffe, donc pouvoir montrer un peu ce que je sais faire. Je vais m'y mettre. Bon, si je dis ça comme quand j'ai dit que j'avais fait des vidéos plus souvent. Mais bon, on y croit, vous y croyez, on y croit, j'y crois, on y croit, on y croit, on y croit. Les points négatifs, alors, bon, c'est vrai que comme je ne suis pas allée voir une pro, mes locks ne sont pas forcément réguliers, mais pour avoir coiffé d'autres personnes qui ont ou pas vu des pros, ça arrive en fait, que ce soit là où on a un spot, les cheveux poussent moins, ou par rapport, on n'a pas tous le même crâne, donc
des endroits où les locks sont irrégulières, et ben voilà, ça en fragilise, donc on les double au fur et à mesure. Donc ça, c'est un point négatif. Et bon, ça arrive. Autre point négatif, ben les miennes, elles sont vraiment très, 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 très petites. Et j'ai des, justement, j'ai des endroits où je dois doubler. Je crois que j'en ai même déjà triplé parce que c'était beaucoup trop fin. Alors, si vous vous rappelez, moi, j'ai commencé avec 650 locks. Bon, maintenant, je pense être vers 600 parce qu'il y en a pas mal que j'ai doublé. Mais ça prend énormément de temps. Après, je suis lente dans ma tête. Je suis beaucoup plus rapide avec mes clientes. Mais je suis lente dans ma tête. Et sincèrement, c'est pas évident. Ça me bouffe beaucoup de temps. Et je songe très sincèrement à les doubler. C'est vrai que j'avais fait cette taille-là parce que je m'étais dit que plus c'était petit, plus j'aurais du volume. Et avec plus de connaissances aujourd'hui, que je coiffe, que j'ai fait plus de recherches et qu'il y a plus de contenu, je me rends compte que j'aurais fait un peu plus gros, j'aurais eu autant de volume. Bien que de base, je voulais 500 à 400. Hein, mais voilà, je les trouve vraiment trop petites, ça me prend beaucoup trop de temps. Et je privilégie mes clientes à moi-même, du coup, je peux passer 4 mois sans me coiffer parce que j'ai trop de monde à coiffer. C'est pas vrai. Je peux passer 4 mois sans me coiffer parce que je n'ai pas le temps entre mes occupations personnelles et mes clientes. Et du coup, je fragilise mes locks et je risque d'avoir de sérieux problèmes. Du coup, je songe très sincèrement à les doubler. Un autre point négatif, qui n'est pas vraiment un point négatif, mais je vais quand même le mettre, c'est que en fait, il faut vraiment resserrer fréquemment ses locks. Fréquemment, c'est de 6 à 8 semaines. Mais quand on attend trop longtemps, ben moi, j'ai un mini afro à l'intérieur et en fait, on ne peut plus rien faire avec ses cheveux. J'exagère, mais ils n'ont plus de forme, ils n'ont plus de tenue, ils ne restent pas là où on veut. Et, c'est difficile de se coiffer. Sincèrement, je me rappelle ma mère et ma soeur qui pouvaient rester beaucoup plus longtemps sans se coiffer. Elles avaient qu'à tourner un peu et ça allait, mais nous, avec les microlocks, c'est vraiment nécessaire en fait qu'on resserre nos cheveux régulièrement. Donc la première année, peut-être tous les mois, en tout cas les 6 premiers mois, peut-être tous les mois, surtout si on a un cheveu qui glisse. Mais après, allez voir votre opticienne toutes les 6 à 8 semaines, s'il vous plaît. En tout cas, c'est pour vous aider parce que elles vont s'entremêler entre elles. On va devoir faire de la casse. Vous perdez votre grille si cela vous intéresse de l'avoir. Mais c'est surtout qu'en fait, on fragilise la locks. Et pour des racines aussi minces, on va éviter de fragiliser. Donc voilà, easy peasy, une petite vidéo sweet and short. Si tu as des questions, tu les mets en commentaire. Et j'espère te dire à très vite.